y a pas mal d'études et puis on a remarqué que donc confirmer la grossesse de son enfant, c'est à ce moment-là où tout commence, mais qu'il y a pas mal, enfin il manque d'informations sur les parents. Par exemple, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on donne à un enfant, à quel âge, à quel mois, etc. Et il y a plein de gens qui sont un peu paumés parce qu'ils ont plein d'informations différentes et c'est hyper stressant. Enfin, déjà on est épuisé, on n'arrive pas forcément à dormir, parfois on fait une dépression et ça, peu de gens le savent et c'est pas forcément bien de la société. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble des parents. La nutrition fait partie d'un de ces sujets de ces 1000 jours. Et donc, comme je disais, c'est pas à 7 ans. On va aller dans des crèches, on ira effectivement, c'est une bonne idée, dans des agricultures bio. Enfin, on va faire plusieurs séquences, on va aller auprès des parents même qui ont créé une asso sur la nutrition avec un petit guide qui est hyper bien fait. Donc, non, vraiment, c'est pas l'idée là, c'est juste de pouvoir toucher un maximum de parents dans des endroits où ils vont à 18h30 un jeudi soir. Quoi. Non, mais c'est pas la fin. L'idée, c'est vraiment de pouvoir. On n'est pas fermé. Hier, on était à Lille, en CHU. On parlait également de nutrition, mais là, c'était avec les professionnels. Enfin, voyez, on fait plein de trucs. Parce qu'on n'a pas envie d'être fermé. Et puis, c'est vraiment le moment où nous, on fait un maximum de terrain. Parce que c'est pas derrière nos bouquins et nos livres qu'on va réussir à faire une stratégie qui parle au plus de personnes. C'est en revenant là. Donc, c'est pour ça qu'on est chez vous. Donc, il n'y a pas du tout de. L'idée n'est pas du tout d'opposer bio au supermarché. Ah, c'est pas forcément d'opposer. Mais on fera bien sûr société de consommation. Un petit pot de Nestlé pour diversifier l'alimentation. Diversifier l'alimentation de manière plus éthique et locale, surtout dans Lyon, à Paris, peut-être pas, mais nous aussi, on n'a vraiment pas de problème de produits locaux et de maraîchers. C'est génial. Et du coup, c'est dommage que l'accent soit pas mis là-dessus. Parce que... L'accent sera mis là-dessus, mais juste à un autre moment, c'est tout. C'est le calendrier qui était écrit comme ça, mais l'idée n'était pas d'écouter un champ pour faire plus un autre. Vraiment, c'était vraiment pas notre idée. On fait plusieurs séquences sur différentes thématiques. Donc, aujourd'hui, ce matin, on a une autre problématique, c'est la protection des écrans. Aujourd'hui, entre 0 et 3 ans, vous avez des enfants qui... Non, mais qui regardent les écrans. C'est terrible pour... Enfin, c'est terrible. Il y a des parents qui sont crevés et parfois, ils ne peuvent pas les canaliser non plus. Non. Les mettre devant un écran, ça permet de se reposer 10 minutes, passer un coup de fil, peut-être calmer un enfant, etc. Mais il y en a, ils restent beaucoup. Mais il y en a qui restent avec les enfants. Mais dans une crèche, une école, d'accord. Oui. Trop bien. Voilà. Et où vous allez demain? Ah bon? C'est pas vous qui allez au rejoint? Si. Ben non, c'est avant j'étais là-bas. Vous étiez là-bas? Avant. Okay. Maintenant, mais on m'a dit que c'était une crèche, pas une école. Ah, il y a une crèche. Bah, je n'ai pas visité le restaurant scolaire. Si, on va voir le restaurant scolaire, ouais. Et à 9h50, on est par exemple. Je vais demander à ce que Adrien puisse voir comment les places préparent. Non, oui, mais c'est des questions.